Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Happy Hour. On est ravis de vous retrouver. Alors c'est bientôt Noël, j'espère que chez vous, vous préparez ça en famille. Nous c'est en famille aussi qu'on se retrouve ici aujourd'hui. On sera entouré de Elodie de sa chronique littéraire, Elena qui est la sportive du groupe, vous le savez, qui vient venir nous parler des sports de combat, et puis Mondine pour une nouvelle rubrique déjantée. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer 20 minutes en notre compagnie, parce que nous on est prêts. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour. On est ravis de vous retrouver. Ça va les filles ? Ça va. Alors, et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors cette semaine, je suis entouré de Elodie, de Elena et de Mondine qui vont nous expliquer dans quelques instants de quoi elles vont nous parler. Alors Elodie, tout d'abord, nous t'écoutons. Donc moi je vais vous parler de Apocalypse Bébé de Virginie Despentes. Voilà, on découvrira ça dans quelques instants. Elena qui est la sportive du groupe. Alors on parle cette semaine d'un sport de combat avec un nom incertain. Voilà, qui est Yusekan Budo. Voilà, pareil pour moi, donnez-moi deux, merci beaucoup. Et Mondine, alors Mondine aujourd'hui de quoi allons-nous parler? Il y a un petit indice mais on n'en dira pas plus. Mais comme dans cette émission nous nageons toujours en plein délire, nous sommes d'accord. Il est salvateur de parler d'un autre mouvement artistique en isme. Il s'agit du surréalisme. Et oui, il y en a toute une série comme ça. Et donc, si vous avez bien été attentif, comme on disait avec Hello, il y a eu deux indices de données à l'instant. Ah, j'en ai eu qu'un. Mais si. Deux, j'en ai eu qu'un. Un et deux avec... Ah, voilà. Oui, bon, vous réfléchissez à la maison. voilà, vous pouvez réagir, vous le savez, sur notre page Facebook HP Hour. Vous pouvez nous laisser des messages, faire des déclarations d'amour. Voilà, à nos chroniqueuses ici, une chroniqueuse à moustache, c'est toujours sympa pour passer une soirée. Elodie, c'est parti, on t'écoute. Alors, tu vas nous parler de Virginie Despentes, si les gens connaissent, qui est une écrivaine. Auteur, on peut dire. Ouais, comme ça, avec un E, parce qu'il faut tout féminiser maintenant. Ouais. Qui est quelqu'un donc, d'un peu extrême, enfin d'un peu choc, quoi. Ouais, on va. Alors, on t'écoute. Donc, je vais vous parler de Apocalypse Bébé, de Virginie. C'est pour suivre avec le livre que je vous ai parlé la dernière fois, qui était O, de Philippe Djian, que je vous avais dit qu'il était assez cru. On va dire que celui-là, il est pire. Beaucoup plus cru. Donc en fait, c'est. Tu aimes bien les livres crus ? Non. D'accord. Non, en vrai, je savais pas qu'il était. Enfin, je pensais pas qu'il était comme ça au début. En fait, on m'a résumé l'histoire. Donc en fait, c'est une adolescente qui est suivie par une détective privée parce que sa famille se pose des questions et elle disparaît. Et donc on suit le voyage de la détective privée et de son acolyte de Paris à Barcelone. Pour essayer de retrouver l'adolescente. D'accord. Donc en fait, on rencontre plusieurs personnages très différents les uns des autres, mais pour moi, chaque personnage, ça représente un peu toutes les personnalités qu'on a dans notre société. Donc ça fait un bon résumé, un bon panorama de notre société de maintenant. Donc quand on m'avait dit ça, je me suis dit bon, mais c'est cool, j'aime bien les histoires comme ça qui peuvent être réalistes et tout. Donc j'ai commencé à lire. Et oui, il ne faut pas être choquée, quoi. Elle mâche pas ses mots, on va dire. Donc, Donc, un peu comme on vous avait dit la semaine dernière avec le livre de Philippe Djian, c'est pour un lectorat averti. Oui, il faut... Ouais, quand on préfère les livres plus... Pas ternes, mais... Édulcorés, romantiques un peu. Consensuels. Consensuels. Allez-y, les gens derrière la caméra, vous avez qu'à intervenir. Non, mais c'est la fête du slip, quoi. Donc, tu le conseilles quand même. Mettons, si on devait donner une note à ce bouquin, toi, tu dirais. Pour l'histoire, franchement, j'ai beaucoup aimé le fond, mais la forme, c'est. Enfin, c'est pas trop ce que je préfère, parce que. Mais bon. Après, j'aime à peu près tout, donc ça va, mais. C'est vrai que je mets une bonne note pour l'histoire. Le fond de l'histoire, il est très bien. L'histoire, elle est très bien tournée, je trouve. D'accord. Donc écoutez, le mieux, c'est de vous faire votre opinion, comme d'habitude, sur ce livre de Virginie Despentes. Donc vous aurez remarqué qu'Elodie n'a pas voulu nous donner de notes. Je l'ai bien retenu. Donc, tu crois que j'en donne une ? Oui. Bah, alors pour l'histoire, je mets 9 et pour la forme.
Ouais, 5. D'accord. Donc voilà. C'est bien écrit quand même. Mais... Ah, vous lisez-le et puis vous nous mettez un commentaire sur la page Facebook pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Elodie. Alors après la tête, nous allons passer au corps avec notre amie Elena ici présente. Alors donc tu nous parles du Yosekan Budo, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Voilà, quelle est donc cette chose étrange? Le Yosekan Budo, c'est un sport de combat mais également un art martial en fait puisqu'il fait partie de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Donc à TAM, nous avons la chance d'avoir l'un des entraîneurs de l'équipe de France que j'ai pu rencontrer, donc Thierry Aubien. D'accord. Qui tient un club donc sur table. Donc en fait, un petit mot juste sur le Yosekan Budo. Donc il a été ramené du Japon par le maître Mochisuki, j'espère que je le dis bien. D'accord. Voilà, donc ça englobe des techniques de percussion, de clés, d'immobilisation, de projection, d'étranglement et d'armes. Sympa. Alors, voilà. Alors, écoutez, c'est bientôt les fêtes, si vous ne savez pas quoi faire entre amis. Une petite clé, un petit étranglement, sympa. C'est vraiment un sport de combat et également un art martial en fait. Mais tu parlais de percus, c'est quoi le... Voilà, en fait... Parce que ça fait un peu chercher l'intrus, étranglement, clé, percus. On utilise donc ses mains et ses pieds. Ouais. Donc on est debout, hein, c'est un sport où on est un pied-point debout. On apprend à être plus adroit avec les objets et les personnes qui nous entourent, notamment avec des armes, mais qu'on utilise des armes en mousse. En fait. D'accord. Voilà. et également, il permet de canaliser aussi les enfants, donc de leur apprendre des règles bien spécifiques, puisque dans ce sport de combat, donc l'important, le principal aspect de cette discipline, c'est d'être vraiment en harmonie parfaite avec son corps et son esprit. D'accord. Voilà. Donc également, on peut pratiquer le Yosekan Budo sans opposition. Hein, comme la dernière fois on parlait de ça, avec le Yosekan Training ou Sparring, donc c'est uniquement du cardio-boxing. D'accord. Voilà, et également aussi a été créé par Thierry Aubien, donc le 100% filles, donc où le cours est uniquement féminin, et ça sera principalement donc du cardio, du renforcement musculaire et des étirements. C'est très à la mode ça, d'adapter certains sports au public féminin, parce que tu nous avais parlé dans une toute première chronique du sport, c'est de la savate forme, je crois. De toute façon, maintenant, dans tous les sports de combat, on inclut ce type d'activité, puisque bon, les sports de combat pratiqués effectivement en compétition, on est amené à être marqué par moment, hein, voilà. Donc, dans le Yosekan Budo, justement, en compétition, il est en pleine progression, puisque nous comptons des champions du monde et des champions d'Europe en France, tels que Jérémy Monaco, qui est très connu. Et il faut savoir que la compétition, donc, en Yosekan Budo, est toujours en plein contact. On fait un petit point maintenant sur Jérémy, ou... parce que nous, on ne connaît pas. Voilà, il est très connu, effectivement, dans sa discipline. D'accord, voilà. Ok. Mais peut-être que vous, chez vous, vous le connaissez. Nous, on n'est pas trop calé en sport. C'est pour ça qu'elle est là pour nous remettre au niveau chaque semaine. Bah, voilà. C'est pas très très médiatisé comme sport. Quoi. Ce sont des sports qui sont pas très médiatisés en France. Voilà. Simplement, quand on part un petit peu à l'étranger, effectivement, c'est plus reconnu. C'est un petit peu plus médiatisé. Ben, c'est pour ça qu'on essaie de vous les faire découvrir dans cette émission, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité énorme pour ces sports de combat. Voilà. Donc on peut retrouver dans le Yosekan Budo sur deux principaux lieux, donc à la Maison des Arts Martiaux, donc avec Thierry Aubien, la zone Bastille à Catarbe, et également le club de Marc Fernandez, donc au dojo Christian Lyon à Bastillac également, pour les horaires, donc ça sera... sur la page de l'émission, sur la page Facebook, n'hésitez pas, et sur le site HPTV. Super, merci beaucoup Elena. Un plaisir. Impeccable. Écoutez, alors maintenant, nous allons nous lancer dans le surréalisme, les deux pieds dedans, j'ai envie de dire. C'est pour faire un rappel de la semaine dernière. Oui, alors là, c'est une spéciale dédicace. Voilà, nous avons tous revêtu la moustache. On va en savoir un petit peu plus avec Mandine. On t'écoute, Mandine. Et maintenant, il faut retourner au bac à roulettes, donc le bac de recyclage que j'ai laissé. Ça, c'est une invitation. Alors, avec Mandine, il y a toujours une invitation à la poubelle, donc on y va. On y va. Du mouvement du dada que vous avez déjà tous chevauché. Oui, rappelez-vous.
Rappelez-vous, il y a quelques jours. Elodie. C'est ça, notamment. Qui fait des miracles avec un chapeau et un balai. Il a des mères. C'est ça. Voilà, donc il se déroule entre 1924 et 1960 grâce à un groupe d'intellectuels, genre nous, qui se réunissent pour nourrir un travail littéraire et psychanalytique. Absolument. Voilà, des artistes comme... des écrivains comme Breton, Soupault, Aragon et Éluard participent à la recherche d'une réalité supérieure à la vérité cachée de l'inconscient du rêve. Je vous laisse un instant décoller. Voilà, avec Sigmund Freud. Alors, il y a bien sûr des artistes peintres comme Magritte, Masson, Ernst, De Chirico, Tanguy, qui utilise comme langage le nu, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Malheureusement, donc, ça sera un bonus. Hein, c'est dommage. Voilà, qui utilise aussi le trompe-l'œil, la nature morte, les symboles. En nature morte, par contre, voilà, on peut. C'est faisable. L'écriture automatique, les symboles, mais aussi l'incohérence, l'imprévu, la spontanéité et l'intuition. Attention, l'esprit est en crise. Les portes de l'asile sont grand ouvertes. D'accord. Il y a eu d'ailleurs un grand maître à la matière que vous avez tous à l'esprit, bien sûr. Alors on a l'esprit, on a la figure. Oui, et non, ce n'est toujours pas moi. Mais pas loin non plus. Non, pas loin, tout non, près. Non, pas loin. Tout près. Vous avez tous deviné. Vous retournez pas, je crois qu'on vous, oui, vous observe. Vous avez tous deviné, c'est bien sûr Salvador Dali. Il atteint les sommets de sa folie jusqu'à se faire virer du groupe des surréalistes en 1939 par André Breton. Alors, son jeu favori, c'est peindre ses hallucinations et jouer avec cette folie. Je vous montre un exemple. Alors, il prend une chaise. Pardon, excusez-moi. C'est un tabouret. Ça va faire un super. Voilà, un tabouret. Il prend un tabouret. Moi, c'est surréaliste. Oui, imaginez. C'est ça. Voilà, il prend une chaise, un tabouret. Une assiette qu'il met entre les jambes. Il met aussi une cuillère à la bouche. Et dans son sommeil, lorsque la cuillère tombe, il se réveille et il a les images de son rêve qu'il peut reproduire en peinture. Et voilà, c'est sa méthode de peinture. C'est fou, c'est effrayant même. Je crois que je vais en terminer là pour aujourd'hui, docteur. Et je vais revenir à la séance. Oui, alors, les filles, si vous pouvez vous occuper de Mandine. Oui, on va faire ça. Voilà. Voilà, là, et pendant ce temps, moi je vais vous donner les dernières infos de l'émission. Si vous voulez retrouver Mandine, si elle ne vous effraie pas trop, vous pouvez la contacter à l'Ouai. Vous savez qu'elle intervient dans la Grange aux Artistes pour vous proposer plusieurs animations artistiques, de création manuelle qu'elle vous a déjà présentées dans nos émissions. L'atelier de Mandine au 05 62 42 21 61. Et puis n'oubliez pas, hein, vous retrouverez sur le site également les horaires et les lieux pour... pratiquer le Yosekan, etc., dont vous a parlé tout à l'heure notre ami Yosekan Budo. Merci, Yosekan Budo, dont nous a parlé Elena tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez les retrouver dans le club de Thierry Aubien, excusez-moi, c'est un petit peu nouveau pour moi tous ces sports, et également le club de Marc Fernandez, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de notre émission. Merci à tous, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour fêter Noël tous ensemble, et ça c'est énorme. Salut les filles. Au revoir.